beaucoup d'importance parce que c'est un projet qui a été aimé par notre population et qui a lui-même créé beaucoup de choses ici parce que par son amour. Sur cela, c'est un programme d'abord de l'État qui a voulu décentraliser la pisciculture au niveau des collectivités locales. Et aujourd'hui, cela est fait dans notre collectivité locale. Je pense que ce que j'ai à dire à l'ANA, c'est merci d'avoir accompagné notre population. Et surtout à Moussa, du début, vous étiez là. Et aujourd'hui, voilà que c'est vous, le régent. Et l'amour que vous avez à décentraliser ce projet, je vous demande vraiment de pouvoir nous accompagner à nous positionner dans 4 à 5 villages de notre collectivité. Est-ce qu'il y a possibilité de pouvoir le faire? Pour la collectivité, nous sommes dans les dispositions de pouvoir vous donner des papiers là où il y a besoin. Parce que là, nous avons donné au Renat 2 hectares de terre. Et ils ont déjà l'affectation avec eux, donc ça veut dire que nous sommes prêts à accompagner notre population. Maintenant, pour le comité de gestion, ce que je voudrais vous dire, conseiller, c'est de vous dire d'aimer ce projet à fond, comme le départ. De l'aimer, de le surveiller, parce que ça, c'est une richesse. Et aujourd'hui ou dans 2 ou 3 jours, cela va sortir à la télé et ce serait très joli que ce soit à Djivangor. Être jeune de Djivangor ou femme de Djivangor, déjà ça fera un plaisir pour ceux qui ne sont pas là. Mais il faut qu'à l'arrivée, qu'il y ait vraiment une très bonne récolte. Pour que cela, qu'il y ait récolte, il faut de l'entretien. Il faut de l'entretien pour que les gens aiment le projet, qu'ils soient ici à tout moment, parce que c'est pas dans le village. Voilà que l'encouragement.